La ministre de la Santé, Agnès Buzyn, a lancé avec la ministre du Travail, Muriel Pénicaud, une mission sur la santé dans l'environnement professionnel. Un investissement social mais aussi économique pour le gouvernement. Résultat attendu fin mai alors que les cas de souffrance au travail restent très fréquents. Je me suis dit, ça y est, je comprends l'expression « je suis sous l'eau ». Quand on n'en peut plus du travail, c'est qu'on a l'impression qu'on n'arrivera plus jamais à reprendre sa respiration. À la fois professionnellement mais presque physiquement. Vous venez d'entendre Frédéric Amiel qui travaillait pour l'association Greenpeace en charge des mobilisations pour le climat quand, il y a 3 ans, il s'est retrouvé en souffrance au travail. C'est ce qu'il vous a confié, Catherine Pétillon. Bonjour. Bonjour. Quand Frédéric a commencé à aller mal, il a d'abord dû trouver à qui s'adresser. Oui, surcharge de travail, ambition de l'association inadaptée à ses moyens, manque de décision de l'encadrement. Dans ce contexte de l'époque, Frédéric n'était pas le seul à aller mal à son travail. Lui a activé tous les relais internes qu'il a pu. Ce que je voyais, c'est que les gens partaient en arrêt, mais que rien ne changeait. Du coup, j'ai été voir mon employeur directement en leur disant « je vais pas y arriver, il faut que vous me trouviez quelqu'un qui peut m'accompagner dans cette période ». L'employeur a réagi assez vite en me proposant une solution extérieure, mais le CHSCT a aussi rebondi sur mon interpellation en disant « voilà, il y a X cas similaires en ce moment dans l'association ». Ça a transformé des accompagnements individuels en interpellation collective, qui du coup a obligé l'employeur à proposer des solutions collectives. C'est-à-dire qu'il pouvait s'en sortir en disant « bon ben telle personne est en arrêt du travail, c'est réglé, telle personne on l'a envoyé voir un psychologue, donc c'est réglé ». Banquiers, infirmiers, enseignants, consultants, tous les secteurs sont concernés désormais, en commun souvent un contexte d'intensification mais aussi d'individualisation du travail et parfois d'importantes réorganisations. C'est le cas à La Poste notamment, avec des conséquences très concrètes dans le quotidien d'agents comme Cédric, facteur. La tournée que je desservais a disparu. Les rues que je desservais ont été réparties auprès de mes collègues. Je suis devenu facteur sur un autre secteur. Les choses sont difficiles à vivre. On a un métier qui est basé sur la mémoire. C'est une bonne connaissance du terrain. Alors, c'est pas que là où se cache la boîte aux lettres. C'est également des horaires de vie, des personnes. Vous avez une signature ou quelque chose à délivrer à un de vos clients. Si vous savez qu'il déjeune chez lui entre midi et deux, bah, vous ne sonnerez pas à 9h le matin. Vous passerez à midi parce que vous savez que vous le trouverez. Les tournées font entre 800, 1200 clients. Tout à prendre. C'est un travail de plusieurs mois, de plusieurs années. On a le sentiment de repartir à zéro lorsqu'on nous affecte sur une autre tournée. Le facteur souffre du fait de mal travailler. Et ça, Cédric l'entend souvent. Il siège au nom de la CGT au comité hygiène et sécurité de son établissement, CHSCT, qui vient encore de lancer 3 alertes pour des salariés en souffrance. Or, l'instance du CHSCT va bientôt disparaître en tant que telle, une conséquence des récentes ordonnances réformant le code du travail. Oui, elle prévoit la fusion des comités d'entreprise, délégués du personnel et CHSCT en une seule instance, le comité social économique et la majorité des acteurs de la santé au travail s'inquiète de la disparition d'un relais de proximité essentiel. Annabelle Chassagneux est experte auprès des CHSCT au sein du cabinet Aptéis. L'inquiétude qu'on a plus particulièrement, c'est que dans ce contexte, les questions de santé au travail, elles soient reléguées ou en tout cas traitées en second plan, parce que les questions économiques peuvent dominer des discussions dans un contexte où on a du chômage, une pression sur l'emploi qui est assez forte. Il y a des discours qui disent que ces questions sont prises en charge, mais l'évolution législative ne va pas dans le sens d'une meilleure prévention des risques et d'une meilleure prise en compte de ces questions. Autre intervenant de premier plan, les médecins du travail. Or, ils sont de moins en moins nombreux. Mais pour la médecine du travail Marie Pasquale, ils interviennent surtout insuffisamment sur les organisations de travail. Les salariés, massivement, ignorent la vraie mission du médecin du travail. Donc, ils vont attendre du médecin du travail un conseil individuel sur leur santé, qu'ils vont avoir en général, hein, parce que le médecin du travail va souvent les orienter vers le médecin de soins pour s'arrêter, pour prendre peut-être des médicaments. Alors que la mission du médecin du travail, c'est d'intervenir auprès de l'employeur, auprès des représentants du salarié, pour alerter sur des conditions de travail qui peuvent être préjudiciables à la santé des salariés. Si les salariés ne le savent pas et que personne ne le sollicite, bah voilà, c'est plus facile de ne pas le faire. Comment agir sur les conditions de travail? Pour en débattre, les deuxièmes états généraux de la santé des travailleuses et des travailleurs sont organisés fin mai par un collectif d'associations, syndicats et chercheurs appelés « Ne plus perdre sa vie à la gagner ».